à tous les amis, c'est Platypus et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En votre compagnie, vu que si vous m'écoutez, c'est que vous êtes bien en ma compagnie et moi en la vôtre. Donc, j'espère d'abord que vous allez bien et j'ai l'impression de ne pas avoir fait la même intro que d'habitude, mais bon, on s'en fiche, on s'en fiche, les amis. Et j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je vais bien. Alors, j'ai tenu compte de vos commentaires de l'épisode précédent. C'est, je pense, d'ailleurs, une des fois où je lis le plus les commentaires dans toute ma carrière de youtubeur. Et ça m'a fait très plaisir, tout d'abord. Et ensuite, là, je suis en train d'un petit peu ranger mon bordel. Et tout simplement, j'ai tenu compte de... Enfin, je vais tenir compte de vos commentaires, vu que je les ai lus et je ne vais pas le faire dans le futur. Bon, d'accord, tant pis. On s'en fiche. Et là, je suis en train de ranger un petit peu mon bordel, vu que je suis vraiment très en bordel. Comme vous l'avez probablement remarqué. Bon, j'ai deux coffres avec moi, je vais les garder. J'ai du cuir, Où ça va le cuir? Bon, ça va là. Et j'ai du fer. Bon, le fer, je vais faire cuire. J'ai de l'or, ça on s'en fiche. J'ai du lapis lazuli, on s'en fiche. Et les leviers, on s'en fiche. Et les coffres, ça c'est d'être très... Ouais. Ben voilà, je pense que c'est bon. Allez, on va ressortir d'ici. Puis d'abord, donc comme je vous ai dit, j'ai tenu compte de vos commentaires. Alors, le couloir, vous avez relativement bien aimé. Sauf une personne au nom tellement compliqué que je ne vais pas pouvoir le citer, qui m'a dit « Mon couloir !» avec un smiley triste et désespéré. Car, pour ceux qui s'en souviennent, j'avais demandé sur ma chaîne il y a longtemps qu'on me donne des exemples de couloirs parce que je n'avais pas d'idée. Et puis, cette personne, dont je ne pourrais pas citer le nom, m'avait donné un exemple de couloir en quartz car je l'avais demandé. Et sache-le, je te réponds, que j'ai bien gardé ton image de couloir en quartz. Sauf que là, imagine bien, nous avions de la stone brick, de la stone et du lapis lazuli. Le couloir va être en stone brick, stone et lapis lazuli. Alors ton couloir va être bien utilisé, je l'avais demandé. Donc je ne suis pas un gros connard, j'ai gardé la photo que tu m'avais envoyée. Et je vais l'utiliser pour, par exemple, l'usine à quartz, peut-être. Non, je rigole, en fait, c'est pas possible de faire une usine à quartz, je vous le dis tout de suite. Mais pour une usine quelconque, ou pour un autre couloir, mais là, déjà, ça m'aurait bouffé des heures de minage de quartz pour faire l'entièreté du couloir. Et simplement, je trouve ça beaucoup plus joli comme ça, vu que ça colle mieux avec le thème, mais ne t'en fais pas, j'ai toujours ton couloir. Donc voilà, alors il y a Brandon Lévesque, un de mes super anciens abonnés à qui je fais un gros coucou, poutou poutou, qui m'a dit laisse la d'or, c'est plus joli. Donc je trouve, moi aussi, c'est mon avis, donc ma souris qui fait n'importe quoi, je vais laisser la d'or. Alors voilà pour tout d'abord les prises en compte de commentaires, je vais sortir d'ici. Et ensuite, Jumpy m'a demandé... Comment tu as fait le système de la porte magique? J'espère que c'est cette porte-là dont tu me parles, parce que sinon ce serait con. Donc, je vais l'expliquer. Alors, il s'agit d'un principe de butt switch, tout simplement. Alors, quand on touche ce bloc, ça fait un changement de bloc de ce piston buddé. Alors, un piston buddé, c'est un piston qui est alimenté par un bloc, alimenté en redstone par un bloc, en l'occurrence celui-ci que je suis en train de marteler. Mais indirectement, c'est-à-dire que si j'alimente ce bloc, le piston va pas être allumé, c'est logique, c'est trop loin. Mais si je fais une mise à jour de bloc à côté du piston, et que ça allumé là, le piston va va faire en croire qu'il est allumé, vraiment en fait. Donc il va pousser ce bloc, qui va alimenter cette redstone, qui va donc alimenter ceci. Et alors ceci, c'est un pulse long, enfin je sais pas comment on appelle ça, c'est un truc qui rallonge la pulsation, c'est-à-dire que ça fait juste... une pulsation. Alors ici, ça désalimente. Parce que vous voyez, ça alimente la torche de redstone. Ça désalimente cette torche de redstone-ci, vu qu'il n'y a plus de bloc. Donc ça désalimente ici. Et là, ça désalimente là. Donc le piston n'a plus de raison d'être étendu. Donc dès que
ce bloc va changer d'état, et bien ça va se rééteindre. Donc voilà. Mais ça, on s'en fiche un peu, c'est juste le système de réinitialisation. Donc vous pouvez voir si, comment j'ai construit. Wow! Hey, espèce de salaud! Wow, je m'y attendais pas du tout. Bon, donc, ça envoie un signal ici. Et alors, le système du truc qui rallonge la pulsation, c'est tout simplement. Alors, pourquoi j'avais fait ceci? Tiens donc. Pourquoi avais-je fait ceci? Je réfléchis, mais bon, figurez-vous que je me souviens plus du tout. Enfin bon, j'avais fait ce système pour allonger. Donc ici, ça envoie un courant qui traverse ce piston et qui va allumer une mémoire. Donc tout simplement, cette mémoire va retenir mon signal avec le petit système de blocage des ribiteurs. Donc simplement, ça va allumer, mais ça va rester allumé. Ça envoie un signal tout ici, boum boum boum, dans l'inverseur, qui vient ici sur les pistons, et donc qui va désalimenter les pistons vu qu'il y a un inverseur. Donc le signal qui vient ici désalimente les pistons, et ça va s'ouvrir. Et comme c'est une mémoire, ça va rester ouvert. Et alors, avec ce système qui rallonge la pulsation, donc c'est-à-dire que ici ça va faire des petits, ici ça va faire un petit chemin, ça va s'allumer, et ici ça va faire un long chemin, donc ça va rester allumé, ça va désalimenter ceci, désalimenter le piston, désalimenter ceci. Et donc, désalimenter le truc, mais comme il y a une mémoire, ça va rester alimenté, mais le système est désalimenté. Enfin, je sais pas si vous comprenez. Et pour le désalimenter complètement, il va falloir que ce deuxième système ici, basé sur les plaques de pression, s'alimente et il va rejoindre la mémoire, ce qui va désactiver la mémoire. Donc la mémoire n'enverra plus de signal. Et comme ici le piston est rétracté, il n'y aura plus de signal non plus, et la porte va se réalimenter vu qu'il y a un inverseur et se refermer. Voilà. Donc mon système est assez mal fait. Vous avez vu la taille du système, c'est super mal fait, mais ça fonctionne. Voilà. Il y aurait moyen de faire beaucoup plus compact, il y aurait moyen de faire beaucoup mieux, mais c'est un de mes premiers systèmes de Redstone que j'ai fait ici, donc je voudrais pour la qualité. Et voyons voir. Hop, on appuie et ça s'ouvre. Et ici, ce sont les plaques de pression. Vous voyez, qui vont désactiver, qui vont réinitialiser le système. Et donc ça se referme, voilà. Et on va sortir, hop, car eh bien, j'ai d'autres surprises pour vous. J'ai d'autres surprises pour vous. Wow, il y a plein de moutons partout. Et oui, j'ai reproduit les moutons et je les ai tous coloriés en bleu. Il y a plein de moutons bleus partout. Voilà, donc j'espère que ça vous fait plaisir, il y a plein de moutons bleus partout. Mais j'ai une autre surprise, j'ai un name tag en main. Ici, name tag. Simplement parce que j'ai un cheval! J'ai un cheval! J'ai un cheval! J'ai une hache en fer. Pourquoi j'ai une hache en bois dans mon inventaire, je ne sais pas. Hop! Alors, ma petite ficelle, je te monte. Et en avant vers l'aventure, j'ai un cheval. Donc, ce cheval a une vie de 12 coeurs, donc c'est pas trop mal, et il est relativement rapide. Alors j'ai juste des lags, ça m'énerve. Vidéo settings, graphique face, pourtant je suis déjà en face, ça m'énerve ça. Cloud, ça je peux enlever. Je peux enlever les particules, ça aidera peut-être. Alors voilà, oh non, il y a plein de mobs qui me poursuivent. En fait, c'est peut-être ma souris qui me fait ça. Alors ce cheval ne saute pas haut du tout. Mais je l'aime bien, surtout parce qu'il est blanc et j'aime bien les chevaux blancs. Mais en fait il est pas terrible parce qu'il est relativement rapide, ça va. Il a quand même quelques cœurs, mais alors là il saute super pas haut. Alors ici il y a un autre cheval. Mais je l'ai pas apprivoisé. Simplement parce que j'aime bien le cheval blanc. Donc je l'ai pas apprivoisé un autre cheval. Wouah! Raté. Vous voyez, il saute vraiment pas haut. Il y a un zombie qui me poursuit. Donc eh bien je vais rattacher le cheval. Hop, je vais prendre ceci. Et j'ai un name tag tout simplement parce qu'il va falloir le nommer ce cheval. Il va falloir le nommer ce cheval, excusez-moi, petite perte de conscience. Non, je rigole. J'étais concentrée à tuer les zombies. Hop. Te voilà.
accroché. Donc, j'ai mon name tag et vous me direz dans les commentaires comment va s'appeler le cheval. Donc, j'insiste. Dites dans les commentaires comment vous voulez que j'appelle mon cheval. Alors, ne donnez pas de nom, s'il vous plaît. Pas de numéro, je veux dire. Ne dites pas, je veux que t'appelles ton cheval Méga Cheval XX07858. Ça, je n'aimerais pas le prendre. Ne vous en faites pas, ça ne m'intéresse pas de demander le nom. Donc, vous me dites un nom sympa et je le fais. Voili, voilou. Alors, une fois que ceci est fait, dans les prochains épisodes, je pense d'ailleurs que je vais créer un enclos pour le chat. En fait, je vais faire le chat parce que j'ai... Ah, c'est bon. Un abonné qui m'a dit... je ne sais plus qui c'était l'abonné qui m'a dit ça. Tu devrais créer un joli enclos pour un cheval. Donc, j'ai déjà un cheval. Je vais en enregistrer un peu plus tard. Insérer ici ma galerie en cuir. Le faire. C'est parti! Alors, il faudra toujours que je mine de quartz parce que je suis quand même en manque de quartz. Alors, je vais récupérer tout ça. De toute façon, j'en ai. Bah, en soi, besoin. Puisque dans cet épisode, nous allons, outre eh bien, la petite découverte avec le cheval, etc. Maintenant, je vais checker le temps. Nous en sommes à 11 minutes d'épisode, ce qui est pas mal. Mais surtout, je vais créer des escaliers pour faire le toit de la forge. Ça fait trop longtemps que cette forge n'a pas de toit. Et bien donc, on va aller en faire. Hein. Pourquoi, dites-moi. C'est pas comme ça qu'on fait... Oh non, il faut faire des blocs d'abord. Alors, 16 blocs. 32 blocs. Et un nombre de 45 blocs. Nous allons donc faire des escaliers. Ah, pourquoi est-ce que ma souris de merde bug? Oh, je pense qu'en fait, on n'en aura pas du tout assez. On a 7, quoi, on a 28 escaliers. En fait, c'était super nul, j'en ai pas du tout assez. Mais bon, hein. Ça, c'est l'effet, le platypus. Et vous allez les respecter. Alors. Il faudra un étage de plus. Et voilà. Donc c'est comme ça qu'on va faire notre charmant toit. Alors il va falloir un étage de plus. Malheureusement. Mais bon, je vais faire un plafond parce que ça va pas être super joli. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire ça en ellipse. Donc, petite ellipse. J'ai dit ellipse, ma souris qui bug. Et voilà, on se retrouve. Donc, j'ai fait un étage de toit. Et alors là, c'est pas joli. Et là non plus. Mais ça va, je trouve que la couleur n'est pas... horrible. C'est le principal, je trouve. Alors attendez, j'aimerais juste faire des petites fenêtres là, sinon ça va être moche aussi. Boum. Voilà, on va faire ça comme ça. Parce que sans fenêtre, ça va être assez moche. Et j'ai plus que deux cœurs, comme vous pouvez le remarquer. Alors je vais bouffer. Alors il y aura un toit là aussi, je n'en fais pas. Et je vais prolonger les bûches. Mais pour le moment, j'ai pas de bûche sur moi, donc j'avais pas envie que cette ellipse dure des heures, donc voilà, hop. Je vais juste chercher des bûches pour faire ça, si j'en ai pas, je le fais pas. Et ensuite, eh bien, il va falloir que en off-camera, je farme de la netherrack, donc on va des tonnes. Et pour finir l'épisode, on va encore un petit peu torcher, alors hop, je vais prendre 64 torches. Alors j'ai 64 de trucs comme ça, c'est parfait. Et parce que, voyez-vous, je me suis remis en difficulté pas peaceful, c'est qu'il y a des monstres qui arrivent. Donc hop, on ouvre ça. On passe. Et je vais mettre les bûches en votre compagnie. Alors pour le moment c'est moche, simplement parce qu'il n'y a pas de fenêtre dans les trous et que le toit n'est pas fini, mais là vous en faites pas. Hein. Ça restera pas aussi moche tout le temps. Alors, il faut tout d'abord que j'en mette ici. On met les bûches dans l'inventaire, c'est peut-être mieux. Hop. Alors à chaque coin, hein, comme si elle continuait finalement. En comptant qu'il y aura des petites fenêtres, parce qu'il faut pas qu'il fasse super son non plus. Hop. Voilà, et encore 4. Alors ça m'énerve un peu parce que 1, 2, 3, en fait il en fallait que 3 à chaque fois. Ça m'énerve un peu parce que
Je perds mes bûches et je suis comme toujours en manque de bois. Ça, en fait, ça donne mal, ça. C'est pas beau. Alors, on va reboucher ça. Et ici, il va falloir mettre des fenêtres. Je sais pas, je pense que j'ai du verre quelque part. Pas ici. Je vais voir si je pense que j'ai du verre là-bas. Et donc, je vais juste mettre les petites fenêtres si j'ai du verre. Et on va attendre la nuit en ellipse et un petit peu torché alors, puisque... Voyez-vous, comme je joue de nouveau en non-peaceful, alors je jouerai encore des fois en peaceful et des fois en non-peaceful, mais simplement parce que c'est quand même plus fun de jouer sans peaceful. Je pense que c'est ici qu'on met ça. Ah non, on ne dit pas que non plus. Ah si, j'ai un peu de verre. Oh, j'ai même beaucoup de verre. J'ai beaucoup de verre. On va se faire alors... bon, je suis obligée d'en faire 16, malheureusement. On ne peut pas en faire moins. C'est un... Hop, je les mets là. Ça, je prends dans l'inventaire. Et on va mettre ça. Et puis, torche. Oh, saloperie. Tu vois, je mets une merde là-dessus. Or, je connais un youtubeur qui, à un moment, a tutoyé ses abonnés. Pendant un ou deux mois, je pense. Pour voir quel effet ça faisait. C'est marrant, mais bon. C'est pour ça que j'ai aimé faire ça. C'est un truc un peu chelou, voyez-vous. Surtout que quand je dis vous, ça englobe chaque abonné. Et en plus, ça vous voit. Donc je pense que c'est quand même plus sympa, tout d'abord parce que ça vous voit et puis parce que c'est comme si je parlais à tout le monde en même temps, plutôt qu'à une personne en particulier. Alors voilà, c'est quand même mieux avec les petites fenêtres, j'espère. Oui, je trouve que c'est quand même mieux. Bon, alors ça dépend du pack de texture, là on voit pas grand chose, enfin, on voit pas vraiment qu'il y a une fenêtre, mais il y en a une. Et la nuit qui tombe, donc je vais prendre mes torches dans l'inventaire. Et on va voir où spawn les mobs et où il faut mettre des torches, tout simplement. J'ai un ananas. Ah parfait, parce qu'il y a des endroits où ça manque cruellement d'herbe. Comme par exemple ici, parce que vous vous souvenez, j'avais terraformé comme un porc à un moment. Et bien, enfin, je veux dire, toute cette espèce de petite rivière, c'est pas naturel, pour ceux qui s'en souviennent. Hop. Je veux dire, il y a peu de naturel finalement là-dedans, vu que j'avais tout re-terraformé. Donc ça manquait d'herbe et j'avais dû pendant des heures chercher du squelette vu que j'avais pas encore mon spawner pour pouvoir et eh bien avec la bonne vie faire pousser l'herbe. Alors ça c'est horriblement moche, le dégager. Hop, j'ai dû chercher de la dorme parce que j'ai eu un trou moche. Et alors juste quand je vous dis ouais j'ai bien terraformé et tout, ben il y a un affreux trou sur mon chemin. Donc je vais prendre de la dorme pour combler cela. Alors, petit inconvénient aussi de ceci que je vous ai montré au début d'épisode, voyez-vous, si le bloc est encore activé, eh bien, il n'y a pas moyen d'utiliser la porte. Oh, ça, c'est un inconvénient assez ennuyeux, évidemment. Puisqu'il y a, comme on dirait dans le milieu de LOL, une sorte de cooldown sur la porte. C'est-à-dire que la porte ne peut pas être utilisée plusieurs fois à un intervalle de moins de je sais pas combien de temps. Je connais pas vraiment Minecraft au point de savoir combien de temps on met... la redstone pour se désallumer. Alors ça c'est moi. Hein. La Tibus qui a bien terraformé, on voit ça. Je voulais simplement parler de ceci. Alors cette torche, elle est pour moi. Hein. Bon ok, mon stack est plein, ça va. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Alors je vais me vanter de ne pas être trop mauvais en terraforming. Je dis ça, je fais un peu de la merde là. Voilà, hop, une torche. Voilà, donc nous sommes la nuit et nous allons voir s'il y a des vilains monstres qui spawnent. Alors là-bas, déjà. Hop, une torche ici. Alors les torches, c'est pas magnifique, comme je l'ai déjà dit. Oh oh. Heureusement que j'ai mon super soul grabber qui me permet de bien tuer les creepers à distance. Oh ouais, je sais, ça c'est la puissance, les amis. Alors, j'en tapais un peu sur la montagne, de quoi éclairer un minimum. On va pas aller super loin, tout simplement, puisque je vais quasi jamais par là. Ce n'est pour récupérer du sable dans le désert, parfois. Enfin, voilà. Alors, en haut de la montagne, c'était pas éclairé. Oh, notre belle platine montagne. Ah, ben voilà, tiens, squelette. Meurs! En fait, je voulais le tuer sans casser les petites herbes qu'il y avait par terre. Parce que j'ai des mauvais souvenirs sur la façon de faire pousser de l'herbe. Alors, tout ici, c'est bien sombre. Le désert aussi, d'ailleurs.
Alors, s'il y en a qui sont intéressés par mon pack de textures, dites-le. Il est assez joli, en fait, c'est le pack de textures de base qui a été embelli. Voilà. Alors, je ne vois pas de mob, ce qui est bon signe. Cette caverne est inutile à boucher. Parce que, je veux dire, ça n'ajoute rien à la beauté du paysage. Autant la virer. Surtout que ça fait des mobs qui spawnent en moins. D'ailleurs, je vais taper une torche dedans. Ici aussi. Parce que si un jour je veux faire une usine à mobs, ça va m'aider. Simplement, ça va m'aider si les petites cavernes de merde, si je peux me permettre, comme celle-là, sont fermées. Enfin, sont éclairées, je veux dire. Voilà. Bon, j'aurais plus beaucoup de terre. Mais voilà. Oh, en fait, il y a des trous partout. Je me souviens que j'étais aussi en manque de terre. Ça, c'était autre chose qui faisait bien. Qui m'ennuyait beaucoup à l'époque. Bon, voilà. Alors, ici, d'ailleurs, je remarque que c'est mal éclairé. Simplement parce qu'on sort de la zone que j'avais éclairée. D'ailleurs, voyez-vous. Il y a plein de monstres. De creepers. Alors, un creeper aussi, j'ai des très mauvais souvenirs. Parce qu'il m'avait bien troué tout mon terrain. D'ailleurs, il y en a encore des marques. Mes vieux abonnés peuvent s'en souvenir. Oh, j'ai déjà plus de faim. Ça, la faim, quand on se nourrit de carottes, ça descend super vite. Surtout que j'ai plus que 7 carottes. Mais la nuit va bientôt se lever, donc l'épisode va se clôturer, malheureusement pour vous. Et malheureusement pour moi aussi, d'ailleurs, puisque j'aime tourner des épisodes. Parce que si je n'aimais pas tourner des épisodes, je n'en tournerais pas. Oh oh. Mob par milliers. Alors ça, tous ces moutons ici, c'est pas moi, hein. Ceux-là, ils étaient déjà là. Mais je voulais qu'il y en ait des plus proches de la maison. Alors comme vous voyez, tout ici a pas du tout d'air, enfin un peu. Parce que ici, ben, j'avais plus de bonnes villes. Alors, vous voyez ici, c'est tout de suite mieux éclairé. Oh oh, flipper. Alors là, je vais me coller des milliards de mobs à mon cul. Surtout si j'arrive pas à sprinter. On va prendre l'arc. Et wow, sniper le bébé. Non, pas les bébés zombies, je les déteste, les bébés zombies. Alors, je suis pas trop mauvais contre les mobs à l'arc. Par contre, en PvP, l'arc, j'aime beaucoup, mais je suis pas fort du tout. Hop, voilà, t'es mort. Je vais prendre ton XP, puisqu'il va falloir renommer notre cheval et que ça va coûter des niveaux d'XP. D'ailleurs, n'oubliez pas, dans les commentaires, vous dites comment vous voulez que s'appelle mon cheval. Enfin, notre cheval. Puisque finalement, vous êtes. Faites partie intégrante de mon aventure. Alors voilà, j'ai utilisé toutes mes torches. Alors on va se retourner parce que je pense que j'avais des zombies qui me collaient au cul. Ah, ici c'est mal éclairé par contre. Mais l'épisode va toucher à sa fin. D'ailleurs, je vais arrêter de laisser toutes les flèches. Parce que mon arc n'a pas ulti, je pense. Non, il est juste power 3. C'est celui que j'avais réparé, je ne sais pas, vous vous souvenez, avec le spawner. Alors toi, désolé. Bon, j'ai gaspillé les flèches. Il y a plein de games qui spawn, mais en tout cas, ça spawn quand même beaucoup moins qu'avant, ça me fait plaisir. En tout cas, quand on reste bien au centre de la vallée de Platypus. Et bien voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié, c'était d'où tu sors toi, c'est bien éclairé aussi. La vallée de Platypus, et enfin, nouvel épisode du Let's Play plutôt. Et n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, et à donner dans les commentaires le nom du cheval. Allez, j'espère que cet épisode vous aura plu. À la prochaine. C'était Platypus.